poche, d'accord? Apprenez à redescendre de vos grands chevaux et surtout montrez-vous plus poli. Super, mais je peux vous demander un truc? Ouais. Bon alors si j'ai bien compris, j'ai pas le droit de faire ça, pas vrai? Très bien, là c'est de la pure folie. Ce geste risque de mettre un terme à votre vie de façon prématurée. Je vais vous foutre un coup de lampe. Bon, est-ce que vous préférez des je menaces que... ne touchez pas à ça. Ne touchez pas. J'ai le droit de le faire autant que ça me plaît. Non, votre lampe doit vous servir à illuminer. Je suis même prêt à louer un camping-car et à vous faire traverser l'Amérique avec ma lampe sur le torse. Faites pas ça. Il se passe quoi si je vous touche avec ma lampe? Essayez, on verra. Rien, parce qu'il se passera rien. Je vais vous toucher et il se passera rien. Sourire, Brandon. Vous savez Brandon. Pas... Brandon, vous savez pas à qui vous avez affaire. Vous croyez savoir ce qu'implique le métier de gardien, hein? Je pourrais vous en apprendre beaucoup sur ce boulot. J'ai vu des trucs super durs à imaginer. Comme quoi, par exemple? J'ai pas l'intention de vous raconter. Mais là, j'ai la lampe sur le avant 60, dont vous l'avez dit, ça avait l'air de trucs plutôt cool. Ouais, ben ça, vous le saurez jamais. La lampe, vous la lâchez, d'accord? On fait la paix? C'était super bien ce que vous venez de faire. Merci beaucoup. Les vieux, sans rancune? Génial. D'accord. Désolé, hein? C'est à moi de m'excuser. Non, c'est ma faute, j'aurais pas dû toucher. Non, il faut deux forces opposées pour qu'il y ait de la friction. Vous faisiez juste votre job. Bon, allez, merci. Faites attention à vous. Salut. Vous aussi, ouais. Ce gars est génial.